Good morgen, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claudie Frag Ben Fortune Mazal et Tamar Bat Monique Assouline. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Michel, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sakhat Beitza, Père Gimel Mishnah Aleph. En Tzadim Dagim, Mina Bivarin Beyom Tov, Ven Notnim Lifnehem Mezonot, Val Tzadim Chaya Vaof Mina Bivarin. ונותנים לפני המזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברין שווים, זה הכלל, כל המחוסר צידה אסור, ושל מחוסר צידה מותר. למשנה מרסן כאין צדים דגים מן הביברין ביום טוב. On n'aura pas le droit de pêcher des poissons, même des enclos d'élevage, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bassins d'élevage, à Yom Tov. Et de même, ve'en notnim lifnehem mezonot, on n'aura pas non plus le droit de leur donner à manger aux poissons. Par contre, aval tzadin chaya va'of mina bivarin, on aura le droit de capturer des chaya, des animaux même sauvages, ve'of aussi des volailles, des oiseaux mangeables, mina bivarin, des enclos fermés, ve'notnim lifnehem mezonot, et on aura même le droit aussi de leur donner à manger. En fait, il y a deux sujets apparemment distincts, mais qui dépendent en fait l'un de l'autre. La Mishnah commence d'abord à m'enseigner que... On va commencer par la deuxième partie de la Mishnah, en fait. Il y a un interdit général à Shabbat et à Yom Tov aussi, comme ce qu'on va t'expliquer, de Tzad. Tzad, c'est un des... Une avot melachot, ça implique de capturer un animal, de chasser, de le capturer, de l'enfermer. Un animal qui est libre, vous l'attrapez, dès que vous l'avez attrapé, vous transgressez l'interdit de Tzad. Ou bien vous avez même tout simplement mis un piège, il est tombé dedans, vous avez transgressé l'interdit de Tzad à Shabbat. Selon ce principe, alors, question générale, un animal qui est dans un enclos, il est déjà capturé ou il n'est pas capturé? S'il est capturé, alors il n'y a plus d'interdit d'aller l'attraper. Mais s'il n'est pas encore capturé, alors il y a un interdit de l'attraper. Et en fait, vous savez quoi? Je vais continuer tout de suite avec la fin de la Mishnah et regardez ce qui se passe. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel me dit, Lokala Biverin Shavim, tous les enclos n'ont pas le même statut. Zaklal, telle est la généralité. Kola Mechusar Tseda, tout animal, entre parenthèses, tout animal capturé qui est Mechusar Tseda, qu'il faut encore continuer à aller le capturer parce que c'est vrai que tu l'as enfermé, mais encore tu dois le courir après et bien suer pour pouvoir l'attraper. Alors là, ce sera assourd de l'attraper l'animal. Mais Shano Mechusar Tseda, Motar, mais celui qui est plus Mechusar Tseda, il est déjà enfermé, il est dans la pièce. Ouais, il ne va pas réussir à s'enfuir, vous l'attrapez, vous. Ça ne demande pas un énorme effort d'aller le capturer complètement, alors ce sera permis d'aller le chercher. Soit en fait, il n'y a pas de marque entre Rabban Gamliel et Tanakama, il ne fait que expliquer Tanakama. Soit en fait, je commence donc, on va tout fonctionner tout à l'envers, on commence par la fin, on va arriver jusqu'au début, jusqu'au cas particulier du poisson. D'abord, on s'intéresse donc à un animal. À Yom Tov, on a le droit de faire la shrita de l'animal, on a le droit de transgresser plein d'interdits, mais on n'a pas le droit d'aller le capturer. Est-ce que c'est Midoraita ou Midrabanan? C'est une marque régionale. Quoi qu'il arrive, la Torah nous a permis de faire à manger. La question c'est depuis quelle étape qui prépare la nourriture, ça devient permis. On a le droit par exemple avec des... On l'a déjà vu, déjà dans Beta, tu prends par exemple du blé, tu as le droit de le moudre. Dans certaines conditions, si tu pouvais le faire avant, on t'a imposé de le faire avec chinouille, on ne t'a pas formellement interdit parce que concrètement c'est permis, tu as le droit de te faire un repas. Alors du coup, vous allez me dire, mais quoi, alors parce que là, j'ai même le droit de planter une graine pour Yom Tov, pour que ça va pousser, pour que ensuite j'arrive à le couper. C'est sûr que non. Il y a une limite à partir desquelles on dit, les travaux de préparation du repas sont permis, mais avant, ce n'est pas un travail de préparation du repas. En l'occurrence, par rapport aux végétaux, puisque je l'évoquais, alors c'est cueillir. Cueillir, c'est interdit à Yom Tov, même si c'est pour manger. C'est-à-dire, je te permets de prendre un animal, de lui faire la shrita, de le dépecer, d'allumer du feu pour le griller, de lui faire tout ce que vous voulez. Mais tant qu'il n'est pas capturé, je te permets pas de le capturer, et pour le fruit, tu as une belle pomme qui est apte à être mangée, qui a accroché sur l'arbre, tu as juste à la prendre et à la manger. C'est interdit parce que je t'ai interdit de cueillir pendant Yom Tov. On a permis que ce qui est après la cueillette, tu as le droit de moudre, tu as le droit de trier, tu as le droit de consommer, de faire cuire, mais tu n'as pas le droit de cueillir. Cueillir spécifiquement, il est interdit. D'accord? Ça, c'est pour les végétaux. Par rapport aux animaux, donc du coup, on va te permettre de faire la shrita, mais on ne va pas te permettre d'aller le capturer. Du coup, ça, c'est la généralité, en fait, de toute la Mishnah. Et même mieux que ça, capturer, c'est comparé à cueillir.
Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai en plus dit que je vous expliquerai pas pourquoi exactement, mais en tout cas, capturer, ça ressemble à cueillir, comme ça c'est rapporté dans la Gemara, la similitude elle est dure à expliquer un peu, parce que bon, tu compares deux domaines complètement différents. Mais en tout cas, le principe, en tout cas, on t'interdit une étape qui est, il y en a qui pensent que c'est Midoraita, hein, parce que c'est des choses qu'on fait en énorme quantité, je sais pas l'expliquer, d'accord? Maintenant, il y a... L'énorme quantité, c'est bien pour rapport à cueillir, mais ça ne va pas être vérifié pour les animaux. On cueille un seul animal, on capture un seul animal. Donc pourquoi... Bon. On revient sur le vif du sujet. Capturer un animal, de manière générale. S'il faut le capturer, c'est interdit, que ce soit un poisson, que ce soit un animal. Un animal sauvage, un animal domestique, non, parce qu'il est déjà attrapé. Mais que ce soit un animal sauvage ou un oiseau, qui s'envole toujours, s'il faut le capturer réellement, c'est interdit. S'il est déjà capturé parce qu'il est déjà enfermé quelque part, c'est permis. Et même pour le poisson en réalité. Mais il y a quand même une différence. C'est que quand ça rentre dans un enclos, alors ça va rentrer dans un enclos, par exemple dans cette chambre, un animal, même un cerf qui va rentrer dans cette chambre qui fait 25 mètres carrés. Franchement, le cerf, il va pas me faire transpirer tellement pour l'attraper. Je vais avancer doucement, doucement, il va comprendre qu'il ne peut plus aller nulle part, il va commencer à partir dans l'autre coin, je vais me retourner. Et ça y est, je vais l'attraper. Mais si vous l'enfermez dans un enclos qui fait 100 mètres carrés, ou je sais pas, 500 mètres carrés, alors ça est encore du travail, vous allez partir, il va s'enfuir, vous allez devenir avec 5 personnes de la famille, et ça y est, le truc. Il va... Donc finalement, le cerf, même quand vous l'avez enfermé dans un enclos de par exemple 500 mètres carrés, eh bien il n'est pas encore capturé. De ce fait, tu n'auras plus le droit de le prendre pendant Yom Tov pour le capturer. S'il est enfermé dans cette chambre de 25 mètres carrés, t'as le droit de l'attraper pendant le temps, parce qu'il est déjà capturé. Idem aussi pour les oiseaux. Un oiseau, vous avez vu l'agilité et la rapidité de l'oiseau, vous allez l'approcher, il va s'enfuir. Il y a quand même une limite, enfermez-le dans une petite chambre, il va pas réussir à partir, il va partir se cogner sur la vitre, vous allez l'attraper, il est déjà dans les mains. De ce fait, lorsqu'il est dans un enclos pareil, où il est fermé, il ne peut plus tellement s'enfuir, facilement vous réussissez à l'attraper, c'est pas Mechusar Tzeda, donc vous pourrez l'attraper parce qu'elle a déjà été capturée avant le temps. Mais s'il manque ce travail-là, c'est bien interdit. Pour les poissons, en l'occurrence, les poissons, dès qu'ils vont être dans un bassin d'élevage un peu large, vous n'allez plus réussir à l'attraper. De ce fait, il y aura un interdit d'accueillir le poisson. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Que les poissons, tu n'as pas le droit de les prendre des bévarines, des bassins d'élevage, parce qu'ils ont encore besoin d'être. Ils ont encore besoin de travail. D'accord, de travail pour pouvoir l'attraper, finir de le capturer. Alors qu'en général, les oiseaux n'ont pas le même problème. Dès qu'ils sont fermés, vous réussissez à les attraper. D'accord? La Mishnah elle dit de le faire avec un coup, deux coups, mais pas plus. Ça, c'est pour l'interdit de les capturer, et que c'est interdit à cause, en parallèle avec l'interdit de kotser, de cueillir. D'accord? Maintenant, de là découle une halakha, qui est l'interdit de leur donner à manger. Parce que si tu vas te permettre un animal qui n'est pas à ta charge, un animal qui est d'abord à ta charge, tu as le droit de lui donner à manger pendant Yom Tov, tu as même le devoir de lui donner à manger Yom Tov avant toi-même. Ça, c'est lorsqu'il n'est pas, il est à ta charge. Mais un animal qui n'est pas à ta charge, qui est capable de partir chercher sa nourriture ailleurs, alors tu n'as pas le droit de lui donner à manger pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de le nourrir. C'est la grande question bien connue que tout le monde, le Magen Avraham, crie sur ça. À Béchalar, en général, les enfants, ils apprennent à l'école qu'il faut donner à manger aux oiseaux. Il y a un Magen Avraham qui a interdit de donner à manger aux oiseaux, à Yom Tov, ou à Shabbat, aux oiseaux qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas les siens. On n'a pas le droit de leur donner à manger. Pour quelle raison on n'a pas le droit de leur donner à manger? Parce que c'est dépendant, comme ça le Tosafot l'explique, c'est dépendant de l'interdit de Tzad. Puisque tu n'as pas le droit de le capturer, on craint que si tu vas lui donner à manger, qui va venir, qui va être à proximité, il va être en train de picorer, tu vas l'attraper. Et là, tu vas transgresser l'interdit de Tzad. À cause de ça, un animal que tu n'as pas le droit de capturer, tu n'as pas le droit de lui donner à manger. Un animal que tu as le droit de capturer, parce qu'il est déjà capturé, tu as le droit de lui donner à manger. D'accord? De ce fait, le poisson, on a dit, dans le grand bassin, tu n'as pas le droit de le capturer, tu ne pourras pas lui donner à manger. Les animaux, même sauvages, et les volailles qui sont fermés dans ton enclos, tu auras le droit de les prendre pendant Shabbat, pendant Yom Tov, pour le faire à Shrita, tu auras le droit aussi de leur donner à manger. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout, c'est là.